L'information qui était déroulée sur deux jours, c'était hier 3 juin, ensemble avec jeudi 4 juin, c'était pour une trentaine de journalistes et travailleurs de la presse qui sortit dans des médias traditionnels et en ligne dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, côté que nous avons venu parler de population clé et VIH. Situation VIH dans le pays d'Haïti, nous connaissons actuellement et toujours été une problématique de santé publique. Côté que, dans le moment où on a parlé, il y a plus de 150 000 personnes qui vivent avec le virus. Non? Et le taux de prévalence dans la caille population générale de 15 à 49 ans, c'est 2%. Alors, ce que constater qu'il y a deux groupes, côté que le taux est plus élevé. Et c'est ça que nous avons les populations clés. Et parmi les gens, nous sommes capables de citer les gens. Ça veut dire garçon qui a un rapport avec l'autre garçon pareil, qui c'est 12,9%. Il y a également ça que nous relève les PS, les professionnels du sexe, côté que les 8,6%. Il y a également d'autres groupes, tant qu'on a parlé de les prisonniers, les gens qui sont incarcérés, également pour vulnérables, tant pour jeunes, tant pour femmes, tant pour petites filles et petits garçons, côté que vous constatez, tout également plus élevé. Et c'est justement pourquoi il est important pour que nous continuions à sensibiliser si nous voulons atteindre l'objectif 2030, qui c'est zéro nouvelle infection à VIH. Mais il faut que nous continuions à sensibiliser les journalistes, le travail de la presse, que nous considérons comme quatrième pouvoir, pour qu'ils continuent même à sensibiliser les auditoires, les téléspectateurs, l'opinion sur la réalité. Ça, y a une façon pour que nous soyons capables vraiment arriver à atteindre l'objectif qui vise, qui c'est zéro nouvelle infection à VIH d'ici 2030. Ça va vous dire qu'il y a un VIH, il y a toujours un cas de VIH, mais pour nouvelle infection, il y a une possibilité vraiment pour que nous finissions avec. Est-ce que nous sommes là? Je pense que nous sommes loin toujours. Nous sommes aujourd'hui en 2024, c'était nos 6 ans, mais le contexte montre que nous sommes comportés pour atteindre vraiment l'objectif. D'abord, même à pour les médias et dans le combat, ça comme un cahier. Les multisectoriels, parce que les médias, comme un pouvoir d'information, c'est des pour d'information aux détenteurs d'un gros pouvoir. Et donc, c'est utiliser micro, utiliser plume, caméra et tout pour capable sensibiliser communauté, au fait de plaidoyer, tout inviter de communauté, monde dans chaque secteur, venir parler, faire comprendre la réalité. Hein? Parce que en tant que mission qui s'est informer, former, sensibiliser, moi je pense que le travail, ça c'est travail pas média. Et pour média, au fait, pour jeunesse, au fait, faut jeunesse en soi ou même bien formé pour faire. Et c'est ça que nous-mêmes nous mettons balise dans mes journalistes pour avoir des données scientifiques. Pour capable mieux mener le combat et au même pour que vous, de votre côté, vous sensibiliser le public. Merci.